لو ريجيونال افيك احمد، الجودة شعارنا. اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. كم سيدي محمد ايتان لونفون سوليتير il prend les objets que contient la boîte à merveilles pour amis. Donc, les amis de Sidi Mohamed sont les objets que contient sa boîte à merveilles. Sidi Mohamed est un enfant rêveur. Il ne cesse de rêvasser. Sidi Mohamed est un enfant solitaire. Il aime vivre à l'écart des autres. Sidi Mohamed est un enfant fragile. Il tombe souvent malade. Les demandes de Sidi Mohamed sont au nombre de deux, le visible et l'invisible. D'un côté, il vit comme les autres vivent. D'un autre côté, il a son propre monde, l'invisible, un monde qui, selon lui, échappe aux autres. Le monde invisible dans lequel s'introduit Sidi Mohamed n'existe que dans son imagination. Dans ce monde, il communique entre autres avec des princes et des rois. Je viens de dire que Sidi Mohamed prend les objets que contient sa boîte à merveilles pour amis, c'est-à-dire il échange avec eux des paroles. Or, il leur arrive à ces objets de rester hostiles, maussades, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne lui adressent pas la parole. Revenez à la quatrième de couverture, c'est là où vous allez trouver cette réponse. Dans la famille de Sidi Mohamed, c'est Malim Abdeslam qui se réveille le premier pour aller au travail. Vous savez bien que Malim Abdeslam est un tisserand. Les actions accomplies par Malim Abdeslam chaque matin se répètent. Il se répète chaque matin. Alors, on peut parler d'un rituel ou bien d'un cérémonial. D'abord, qu'est-ce qu'un rituel ? Le rituel est une action qui se répète chaque jour, chaque semaine, chaque mois, voire chaque année. Le rituel accompli par la Chouafa Kinza est une danse nègre. Ça veut dire chaque mois, il organise une danse avec les Gnawa. Les femmes rendent visite à la Chouafa pour résoudre leurs problèmes de santé, pour avoir des philtres d'amour, une sorte de boisson magique qui fait tomber amoureux les gens, ou tout simplement pour prévoir l'avenir. La Chouafa ne reçoit pas toujours des femmes. Il arrive que ces femmes ne cherchent pas des philtres d'amour, ne se préoccupent pas de leur santé. En plus, la Chouafa, elle aussi, tombe malade. Alors, il ne reçoit personne. Chaque matin, les femmes échangent les mêmes salutations. Ceci est un premier rituel. Je vous donne un deuxième. Le matin, ils font le linge. Le soir, ils plient les vêtements. Au revoir.